Alors, je me trouve à la Vieille Charité pour le congrès en fait, des sociétés savantes, plus ou moins, scientifiques, etc. Donc, on est jeudi 9 mai. Comme vous voyez, c'est un très très beau bâtiment, très vieux. Je vous mettrai des photos et je vais essayer de filmer. Pour l'instant, il n'y a pas trop de monde, donc c'est l'avantage. Sinon, voilà. J'espère que je vais passer une bonne journée. Je comptais faire les 3 jours, mais j'ai d'autres projets, donc ça va être un peu court. Mais bon, voilà. Je vais essayer de vous montrer le maximum de choses de ce joli bâtiment qui est dans le quartier du Panier à Marseille. Donc je sais pas si vous voyez, mais oui, je me suis mis dans un petit coin, il y a un petit bar, je vais vous décaler doucement. Il y a un petit restaurant bar, etc. qui est assez sympa, paraît-il. Honnêtement, comme n'étant pas une touriste, je pense avoir bu qu'un thé, j'ai jamais mangé là. Je vais aller rejoindre le congrès, voilà, je voulais vous faire un peu la visite de la Vieille Charité, j'essaierai de vous faire d'autres photos du panier. Je ne sais pas comment ça va se faire parce que j'ai d'autres obligations. Il faut que je rejoigne normalement l'auditorium du Vieux Marseille à 14h. Donc on verra si je peux filmer là-bas, sachant que c'est la séance inaugurale du congrès et qu'il y aura beaucoup d'huile, on va dire, des politiques, etc. Ils ont une université, donc je ne suis pas sûre que je puisse filmer tout, mais on verra. Enfin, en tous les cas, je voulais juste vous montrer le panier sur une autre couture que touristique. Puis en plus là il n'y a personne pour l'instant, donc c'est bien. Allez, à tout à l'heure. Du bord. Que vous demandez le peuple? Désolée pour le soleil qui arrive. Bon, il doit être 9h, 9h10 à peu près. Donc c'est sympa. Voilà la galerie. Voilà, ça vous donne l'occasion de voir la beauté des lieux. Alors c'est au deuxième étage. Là on est au premier. Voilà. Donc vous allez en voir un peu plus au deuxième. Thank you.
Et au musée d'histoire de Marseille, je ne sais pas si vous voyez, c'est une pure merveille. Je ne peux pas parler trop fort, mais je vais essayer de filmer un peu. Voilà. Il y a un objet au milieu non identifié, mais regardez ça. En fait, il a été tout refait il y a quelques années. Et du coup, ils ont enlevé de Massalia à Massilia, la ville romaine. Puis on a tout ça. C'est beau, hein? On appelle ça revenir sur les lieux de son enfance. Ouais. Moment nostalgie, c'est mon grand-père Alex qui serait fier aujourd'hui de voir ça. Allez, je vous laisse.